Et Thierry, c'est comme ça qu'il la monte, il la connaît parfaitement. Moi, je suis dans les tribunes. Hein. Une fois que le jockey est à cheval, j'ai plus que mes yeux pour regarder, c'est tout ce que j'ai. Donc Thierry la gère parfaitement et puis s'entend très bien avec elle, ce qui est très important. Thierry, vous êtes un grand jockey, vous avez monté des cracks chevaux à l'arc et tout. Voilà, monter trèfle, sans vouloir comparer tous les chevaux, c'est vraiment le meilleur cheval que vous avez jamais monté. Complètement, ouais, c'est la meilleure jument, enfin le meilleur cheval que j'ai monté depuis mes débuts. Avoir une carrière bien remplie et d'avoir la chance de monter une jument comme trèfle, c'est quelque chose de fabuleux. Parce que bon, je suis plutôt moi en fin de carrière qu'en début. Et de pouvoir encore monter les chevaux de cette trempe, de cette qualité, c'est quelque chose de fabuleux. Pour moi, c'est le summum. On peut pas avoir mieux. Donc c'est fabuleux. Je vis un rêve avec elle, comme beaucoup de passionnés des courses. Voilà, c'est quelque chose de fabuleux. En retrouver un de cette trempe, c'est difficile. On en trouve un ou deux par siècle, ce qui est assez assez rare. Donc j'aurais eu la chance de monter une championne. Et c'est pas voilà c'est ça se trouve pas à tous les coins de rue, donc voilà, j'ai eu cette chance-là. En plus de gagner deux arcs avec elle, c'est quelque chose de fabuleux. Elle fait partie de l'histoire, elle rentre dans le turf, dans l'histoire, c'est quelque chose de fabuleux. Et par la même occasion, bah, je suis avec elle aussi, et Cricket aussi, donc on vit pleinement voilà, oui, nous, une belle histoire. Voilà, voilà. On savoure tous les moments. Voilà, c'est magique. Alors... Par rapport à ma carrière, quand j'étais gosse, je rêvais de remporter une fois l'Arc de Triomphe. Bon, j'ai eu la chance de le gagner quatre fois. On s'en lasse pas, parce que l'Arc de Triomphe, c'est la plus belle course au monde, sans être chauvin. Il n'y a qu'à voir à l'étranger, tout le monde se bat pour essayer de venir remporter cette belle épreuve. C'est quelque chose de magique. En plus, je vis pleinement un rêve grâce à Trèves. Et voilà, rentrer dans l'histoire, c'est quelque chose de fabuleux. Marquer son empreinte aussi. Et puis, la satisfaction d'avoir fait une belle carrière. Et je ne dis pas me retirer en beauté, parce que je compte continuer encore un petit peu. Mais, on a besoin de toi. Voilà, et puis je prends plaisir à monter en course. Et voilà, je suis sur un nuage. Depuis que je monte 13, c'est vrai que je suis sur un nuage. Et puis j'ai eu la chance de la retrouver parce qu'à un moment je l'avais perdue. Bon, bah ça, c'est les circonstances de la vie. Et voilà, la jument aujourd'hui est en pleine possession de ses moyens. Elle nous l'a fait voir en début de saison qu'elle était encore là. Et puis là, elle est en pleine forme. Donc on compte beaucoup sur elle pour faire la fin de saison et puis qu'elle termine, pourquoi pas, sa carrière en beauté.